Oh putain, en fait, j'ai fait une connerie. J'ai fait. Bon, on était sur un contrôle de police, capitaine. Putain, Oui. attends, il y a les procureurs là, attendez, il y a les procureurs. Ah, restez, restez, comme ça on les voit arriver. Et il y a les médecins qui arrivent parce que les mecs étaient complètement défoncés. Vraiment, je sais pas ce qu'ils avaient pris là. Et du coup, juste avant, je vous envoyais vous savez, la petite photo pour l'afterwork là. Oui. Et je me dis, ce serait peut-être bien d'avoir une infirmière pour faire une petite soirée auréolée là. Oui. Du coup, il y a le médecin qui arrive pour le soigner. Et je lui dis, hey, vous n'avez pas été tenu d'infirmier machin. Et il me dit, ça, vous me demandez de sortir des tenues du BCMS? Mais vous avez expliqué du coup, c'est pour notre truc, J'ai machin. pas trop eu le temps, il est monté sur ses grands chevaux. Bon, après, il m'a dit, c'est par où le commissariat? Bon, ça aurait peut-être une plainte, hein. Ah, d'accord, bon bah je vais Ouais, enquêter bah là-dessus. écoutez, moi, bah, après, ils ont qu'à tous se sortir le balai qu'ils ont dans le cul et puis qu'ils arrêtent de me faire chier. Et puis voilà. Non mais ils Non, ont des mais, non, mais, radios par c'est. balle à Non, tout mais, on va. est, on Et est puis où nous on va là? faire une petite soirée Non, mais, on tranquille est pour où s'amuser là? et puis voilà. On est où? Ben on est au commissariat là. Vous avez vu la vie que j'amène là? Ben oui, je vois bien la vie que vous menez là. Ouais? Vous arrivez, vous prenez votre service, il est minuit? Là, on est où là? Bah ouais. C'est quoi? Qu'est-ce que Bah vous ouais. faisiez avant là? Avant? Bah Ben oui. j'étais en train de sortir des uniformes du SPI. C'est vous? C'est vous? Comment ça? Qui sortez des uniformes du SPI? Ah bah oui, forcément, vu que je m'habille tous les jours. C'est qu'on a une taupe en ce moment, Mathieu. Ouais, c'est qu'à moi de me Eh. dire, capitaine. Je m'occupe de son cas. Une petite ruelle là. Hop là. Et qu'on s'occupe de son cas là. Surveillez, Mathias, surveillez. Ok, il faut surveiller quoi là? Ben, une taupe, Je mais on sait suis pas qui c'est. l'aigle. On sait pas qui c'est, ça le problème. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il y a une taupe? Mais on le sait. Il y a bien un truc alors qui se passe. Il y a des trucs qui manquent. Ok. Des radios, des nanani, Moi nanana. j'ai des petites suspicions sur 35. Hein. Il est là dans mon bureau, lui. C'est qui? Et moi je vous dis, hein, petite ruelle, un petit truc. 180 fins de service. On fait ça à l'ancienne, attendez, une taupe là, attendez, je réfléchis là. Oui. Une histoire d'il y a Voilà, 10 ans. capitaine. Et bonjour. Est-ce bien là? Est-ce bien? Et tout. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Non, par contre, c'est grave, donc faut Ah, dites-moi, qu'on. dites-moi, Mathieu. Vous voulez pas parler dans le vestiaire? Ouais. Faut que je mette ma tenue importante ou pas? Oui, allez-y. Je vous préviens, j'ai bu pas mal de coca hier. Là. Allez, c'est bon. Du coup, on va où? J'ai bu un peu de coca hier, donc. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Oui, ok. Allons dans les endroits importants, le toit. D'accord. Allons sur le toit. Je peux m'habiller comme ça, là, en tenue importante aussi? Non. D'accord. Tenue importante. Bourgeois important, Mathias. D'accord. Vous êtes important, vous, Mathias? Oh, vous savez, je ne suis qu'une pièce dans un rouage. Ah oui. Pour l'hélipad. Ne dites pas ça de vous, Mathias, vous savez. Vous êtes quelqu'un Oui. d'important, Mathias. Oui, bien sûr. Bon, mais ça, j'ai une question existentielle. Oui. Venez, on reste dans la lumière du. Non? Et vous êtes à côté de moi, de toute façon, vous resterez toujours de la lumière, venez. Ouais. La Santa Maria me protège. Mais elle est où cette Santa Maria là? Elle est partout, regardez. Elle est dans cette lampe, elle est partout. Oh putain, mes clés sont foutues. Vous l'ouvrez, hein? Pas qu'il y a un escalier. Vous courez là. Et parce que j'ai envie, Mathias, j'ai envie. On va sur le roof? Oui. Là, oh là là, mais que d'endroits cachés. Et oui, des recoins. Si un jour il y a une prise d'otage, Mathias, au commissariat, Ouais, je vais vous on vient donner par une là. superbe cachette. Ah oui. On est bien caché là. Hein, En vrai, on est bien. En vrai, on est bien. vous pouvez Je même suis à. continuer si vous voulez. Hein. Venez, venez, on va faire un peu d'exercice, Mathieu, on va travailler votre équilibre, tiens. Ah oui, bah oui. Faisons ça, tiens.
Vous êtes bon en équilibre, Mathia? Attendez, ouais. T'es toujours derrière, Mathia, oui. Oui, je suis là. Ah bah on peut pas, on est bloqué là. Je croyais que ça donnait sur un rooftop ou je ne sais quoi. Bah, bon, est-ce qu'on ne serait pas bien pour discuter ici? Mais il y a un arbre quoi, ça bouche un peu la vue. Vous voulez pas qu'on retourne là-bas là? Oui, mais non. Mais criez pas, madame, vous inquiétez pas. Derrière moi, mon capitaine là. Oui. Sergent chef, qu'est-ce qui se passe? Le regard. Je vous ai félicité, bon sergent chef, ou pas, là, pour votre promotion? Bah, grâce à ce capitaine, c'est fait, voilà, c'est oui. Bon. Braquage du magasin en coup! Oui, on s'en va découvrir, c'est bon, ils sont assez sur le terrain, vous inquiétez pas. Il y a un petit enculé là. Oui. Dans le poste là. Oui. Qui a pris ma M4 et mon FAP. Ah! Ah oui. Et il vous l'a pas rendu? Bah ils ont disparu de l'armurerie. Vous êtes sûr de ça, Mathieu? Est-ce que vous avez bien tout regardé? Bah Beaufort a vérifié, j'ai revérifié là en prenant mon service. Il y a rien? Il n'y a pas mon FAP et ma M4. Ah écoutez-moi bien, capitaine. Et je vous écoute là. Il est pas né encore là, celui qui, celui ou celle là, qui va me prendre mes armes, hein, d'accord? Vous avez regardé avec Beaufort et tout, il y en a pas un qui... vous êtes servi quand là? La dernière fois que j'étais sorti, j'ai vu passer le truc là, l'exercice le soir, là. J'étais promu. Ah, promu, oui. Donc c'était le 30, d'accord? D'accord. Vous n'avez pas ressorti depuis? Non, le seul truc que j'ai sorti c'est ma MP5, c'est quand il y a eu les... comment ça s'appelle là? Les trucs... les alertes à la bombe à arc là. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a eu ça aussi. Non, ils n'ont pas été ressortis depuis. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais pas vous en chier une, là. Bah... faut mener l'enquête, là. Bah oui, mener l'enquête, c'est bien mener l'enquête. Bah, c'est l'argent ce que vous m'avez dit. De quoi? Bah, la dernière fois en cellule, là. Ah oui. Et si je vous le dis? Non, mais attendez, à chaque fois que je vous dis un truc, vous me prenez pour un con, vous me croyez pas? Comment ça? Il faut que vous... ça vous tombe sur le coin du nez? Non. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez? Je sais pas, vous me dites, ça rejoint ce que vous m'avez dit l'autre jour en cellule. Bah oui, mais du coup ça renforce votre truc. Et non, y a pas besoin d'attendre que vous vous ayez fait piquer une M4 et hein, une MP5. Oui. Pour se rendre compte qu'il y a des taupes et SPD. Oui, bah les taupes, là, écoutez-moi bien, elles vont retourner dans la terre là, puis elles vont peut-être nous casser les couilles. Hein. Oui, alors, bah vous savez qui c'est vous? Alors, j'ai un doute. Ah bah dites-moi. Parce que... y a qu'à quelques personnes. Déjà, c'est bizarre qu'il y ait mon FAP et ma M4 qui disparaissent en même temps, d'accord? Et quelqu'un qui vous en veut? Alors déjà, oui, c'est orienté vers moi vu que c'est mes armes. Eh oui, un peu, oui. Et quand j'ai fait l'exercice, donc le 30 là. Oui. J'ai sorti mon FAP et ma M4. Oui. Parce qu'on était en colonne. Je crois, moi vous savez, je crois pas trop aux coïncidences. Donc vous croyez que c'est quelqu'un qui a organisé l'exercice? C'est quelqu'un qui était dans l'exercice. Attendez, Haute est là, y'a que Haute qui est là. Foster ouais. Aussi non? Foster est là, ouais. Et le truc c'est que c'était remarqué aussi, alors, apparemment par Beaufort, avant l'intervention d'hier soir. D'accord. Soit hier, soit le premier, quoi. Oui, bonjour, capitaine. Oui, bonjour, ça va? Ah, et vous? Oui, ça, vous êtes avec qui, là, en patrouille? Eh ben, je suis tout seul. Ah, vous pouvez venir au commissariat dans mon bureau, s'il vous plaît? Tout ça? Hein? Vous voulez que je vienne où? Dans mon bureau. Ah, dans votre bureau? Encore? Ben oui, encore, oui. Ok, ben j'arrive. À tout de suite. On va les faire un par un là, puis on va leur dire qu'on sait tout. Ou alors, est-ce qu'il y a eu d'autres sorties du SWAT Et je ne sais pas moi, Mathia, moi j'étais en vacances. Vous voyez que le commissariat c'est le. Vous voyez que c'est le cadet de mes soucis? Bah attendez, vous rigolez ou quoi là?
Et quand je travaille pas, Mathia. Vous devriez vous en faire pour moi tout le temps, déjà. On va déjà remettre l'église au centre du village. Et après, on va faire venir Foster aussi. D'accord. Vous voulez pas que je me mette assis dans votre fauteuil, là? Oui, si vous voulez, oui. Et puis, ah non, vous... dans mon fauteuil, ouais, dans mon fauteuil là-bas, ouais, vous avez qu'à faire comme ça, là. Ah, ouais, celui-là? Là. Là, juste pour lui mettre un coup de presse. Ouais, y'a qu'à faire comme ça, ouais. Et puis après, voilà. Et puis, vous avez qu'à lui dire de rentrer dans votre bureau. Ok. Allez. Bah non. Quand vous voulez, hein. Oui. Hop. Vous pouvez rentrer dans mon bureau 56. Bonjour. Bonjour, vous faites du moonwalk ou quoi là? Non, je peux avancer? Bah oui, oui. Assis, là. Écoutez votre QAC là. Il vous a pris votre siège, capitaine? Écoutez votre QAC là. D'accord. Bah, bah, il est ouais. Bah, par quatre chemins là, Mathieu, non? Vous allez bien, Haute? Bah oui, ça va un peu bien, mieux. Moi, oui. Non. Je vais être très clair avec vous, Haute. Ouais. Est-ce que vous êtes mêlé de près ou de loin à la disparition de ma M4 et de mon fusil à pompe? C'est une blague. Comment ça, c'est une blague? Non, mais c'est l'histoire qui recommence là. C'est-à-dire? C'est-à-dire, dites en plus. Mais j'ai oui. Déjà dit au lieutenant, je vendrai pas d'armes. Vous avez dit ça à qui là? À qui? Au lieutenant, le jour où je suis passé officier, je leur ai dit ça servait à rien, je vendrai pas d'armes. Combien? Et j'en sais rien, moi, je vendrai pas d'armes. Vous les donnez? Vous les donnez? Non, mais c'est quoi cette histoire encore? Vous aussi, vous êtes dans le coup, là? Dans le coup? Dans quel coup? Qu'est-ce que vous racontez, là? Ah, c'est pas possible que ce soit une... Non, mais il y a une théorie du complot, là. Allez-y, parlez 56, là. C'est le moment, de toute façon, là. Ouais. Non, mais... C'est le moment de parler, là. Non, mais moi, je pensais que c'était une blague, à l'origine. Alors, qu'est-ce qui était une blague? Attendez, je suis dans la merde là. Allez-y. En gros. Non, mais oui. Comment je sais que vous êtes pas dans le coup là? À votre avis, si vous venez ici. Là, moi je vais crever là. Et si vous venez ici, août? Ouais. Ah ouais, mais bon, c'était des lieutenants. Hein. Ah, mais vous. Mais nous, on est quoi? Lui, il est que sergent-chef. Hein. Mais et moi, je suis quoi? Pardon, Tiens, attendez, lui? C'est qui c'est que je vais appeler lui là? Enfin, parce que je parlais au capitaine, c'est pour ça, mais excusez-moi, sur le chef. Voilà. Oui, oui. Et moi, je suis quoi, Haute? Vous êtes capitaine du SPD. Voilà. Quoi? Mais tiens, faites-lui le truc de se délivrer avec la Santa Maria, tout ça là. Vous avez qu'à moi me dire, capitaine. Et allez-y! Je vais vous délivrer de vos péchés là. Par la Santa Maria. Ah oui? D'accord. Oula, qu'est-ce qu'il fait avec sa matraque lui? Vous allez bien? Non, non, mais vous inquiétez pas. Capitaine, c'est autorisé ça? Vous avez rien à me dire, Haute? Il faut nous parler, Haute. Ok. Et... Oui. Alors, moi je vais vous dire ce que je sais. Hein. Oui, allez-y. Mais pour moi c'était une blague. Hein. Allez-y, oui, c'est quoi la blague? En gros, quand j'étais cadet. J'ai trois lieutenants qui m'ont fait venir sur le toit du commissariat. Ils m'ont pris mon téléphone, ma radio, pour que j'ai plus de moyens de communication. Je sais que c'est histoire. Et ils m'ont dit que... Alors j'ai plus le truc exact, mais que en gros, soi-disant, ils étaient au courant que je sortais des armes et qu'ils voulaient récupérer 30% du prix des armes que je vendais. Les lieutenants qui vous ont dit ça? Des noms. Je suis pas une balance moi. Des noms là, je veux des noms. Mais oui, on veut des noms là, Haute. Hein. Mais pour moi c'était une blague, capitaine. Hein. Enfin à la fin, vu qu'ils m'ont promu, pour moi c'était une blague. Mais vous avez accepté ou quoi? Mais non, mais moi je me suis enfui. Mais vous dites que vous avez été promu.
Oui, parce qu'à la fin, ils m'ont rattrapé, et puis c'est là qu'ils m'ont fait comprendre qu'en gros, c'était, je sais pas, une sorte de truc, de, comment ça, un bizutage, un truc en genre. Bah, moi, enfin, en tout cas, moi, je pensais, mais là, du coup, si vous me dites qu'il y a encore des armes qui disparaissent, moi, je suis pas dedans. Hein. Ah non, je suis pas dedans. Voilà. Tu rôtes. Mon chef. Oui. Je vais vous donner un tic-tac. Fermez-la. D'accord. Que vous êtes sûr? Ah oui, sûr à 100%. Moi, je... Mais c'est quoi cette histoire d'armes disparues? Mais attendez, en plus, hier, je me suis fait... J'ai donné mon corps pour le LSPD, moi, hier. Comment ça, vous avez donné votre corps pour le LSPD? J'étais otage et bah, quand je me suis réveillé, j'étais couché. Enfin, j'étais plus couché, du coup, je me suis réveillé. Mais ça veut dire que si je me suis fait réveiller, c'est que je me suis fait coucher. Ah, vous êtes peut-être fait un malaise, hein? Ah bah, un malaise qui m'explose la clavicule, faut y aller quand même, hein. Oui, c'est vrai. Mais je vous assure, moi j'y suis pour rien. Hein. Hôte, vous croyez qu'ils vous ont promu? Est-ce que vous avez refusé? Et que du coup la promotion servait de... De test? De... Pour acheter votre silence en gros? Ah. Putain, maintenant que vous le dites. T'es qui? Les lieutenants? Oui. Oh là là, vous me foutez dans la merde, moi. Et non, là, ben, je balance pas les codes. Mais ça restera entre nous, ça restera entre nous, jusqu'à ce que vous allez balancer que je suis une balance, et du coup, plus personne ne me fera confiance, et plus personne ne me parlera, et je servirai à quoi? J'irai dans qui le nord. Qui le saura, hôte? J'ai pas envie de devenir shérif, moi. Et oui, qui le saura par nous? Eh oui, hôte. Vous allez rien faire. Mathieu, je pense pas qu'on fasse quelque chose. Hein. Oh non. Bah, attendez, mais s'ils sortent des armes, vous allez rien faire? Mais ça, c'est notre problème après, Hout. Hein. Ah oui, mais donc ils vont être au courant, et donc tout le monde va être au courant que moi je balance des noms, et du coup, bah plus personne ne me fera confiance dans le commissariat. Vous appellera. La taupe. La taupe, voilà. Ouais, vous serez un peu notre taupe en fait. Non, oui, mais j'ai pas envie d'être votre taupe. On vous renommera dans le dossier. On dira Monsieur Tao. Oui, non, mais. Oui. Hein? Monsieur. Un autre nom peut-être. Tao, non? Ah, peut-être un autre nom, non? Un autre nom? Oui. Oui, parce que Tao, c'est quand même assez proche de Haute, hein. Genre. Faut pas être sorti de Polytechnique, quoi. Oui, oui. Skywalker. Comment? Walker? Skywalker. Skywalker? Ouais. Comme les joueurs de foot? Ouais, mais ça aussi, pas être sorti de Polytechnique. Luc, Skywalker. Ouais. Bon, ça, faut pas être sorti de Polytechnique. Enfin, il faut pas être né de la dernière pluie, quoi. Ah oui? Oui. Lucky Luke? Lucky, oui. Vous voulez pas que... On peut vous appeler Lucky, oui. Vous voulez pas qu'on les piège plutôt que je vous donne leur nom? Ah. On peut faire les deux, hôtes. Oui. Ouais, mais dans un sens, y en a un où j'ai pas balancé, quoi, vous voyez. Ah, c'était qui? De toute façon, c'est ça, c'est un ordre du capitaine, donc ça c'est réglé. Mais bon, si vous êtes dans le coup, moi je suis mort, là. Je ressens pas du bureau. Putain, j'ai bien fait de prévenir la radio, j'étais dans votre bureau. Peut-être que capitaine... Ils sont au courant que je suis dans votre bureau, capitaine, hein. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Le lead, il est au terrain. Oui. Enfin, le lead, il est au courant. Plutôt. Oui, et puis quand vous rentrez dans le bureau, vous faites l'appel, et quand vous ressortez, vous faites l'appel? Vous avez pointé pour dire que vous êtes rentré et ressorti du bureau? Non mais Doki, il est tellement professionnel qu'il va bien faire un call dans une demi-heure pour savoir si je vais bien, quand même. Là-dessus, vous marquez un point. Il est tellement à l'aise sur les procédures. Marquez deux points. Peut-être que pour finir de convaincre Haute, capitaine, vous pourriez peut-être lui parler des photos qui sont accrochées à votre mur. Et je les connais. Et il les connaît, on a parlé des vrais. C'est une vraie star, le capitaine. Et alors, c'est pas suffisant pour vous? Vous pensez franchement que le capitaine serait dans le coup après avoir arrêté le plus grand criminel dans le dos? Et avoir obtenu une médaille de. D'état de tendresse? J'ai fait un discours. Sur les technocrates? C'est vrai, c'est ce que vous dites là. Oui. Ça n'a pas presse. C'est vrai, ça. Eh oui. Eh oui. Et une association qui aide les gens, les enfants défavorisés. Les enfants, vous me mettez dans une position délicate là. On a rien à foutre. Rien à foutre de votre position de merde. Écoutez, moi cette radio. Oui, j'ai éteint ma radio. Il nous faut le nôtre là. Oh putain. Ok, Mason, Garner et Smith. Merci, Hota. Oui, c'était pas compliqué, Hota. Ah, c'est sorti d'un coup là. Vous allez
Retirez vos gants là. Levez-vous. Oui. Levez-vous là. Oui. Attendez. Levez-vous de cette putain oui, de chaise. Oui, mais c'est un mot de passe, putain. Voilà. Voilà. Bonjour, mes gants. Ça, vous avez essayé de craquer le mot de passe du capitaine? Non, non, c'est celui de mon téléphone là. Ah, j'ai peur. Non. Je vais faire un relevé avec certaines choses hautes là, d'accord? Ouais. Je vais prendre le petit kit là. Vous avez... J'ai rien volé moi. Hein. Vous allez mettre vos mains sur la table là. Mettez vos mains sur la table là. J'ai rien volé moi. Penchez-vous, non je rigole. Ouais bon. J'avais déjà dit au capitaine que j'étais pas intéressé. Oui. Attendez, où est-ce que j'ai foutu le. Allez, on avait posé ça. Oui, on avait posé ça là. Ok. J'ai fait un relevé balistique parce que sur ma M4 et mon fusil à pompe, il y a des trucs un petit peu spéciaux justement. Ah. Ah oui, qui restent sur les mains. Vous savez, c'est un peu comme les billets de banque. C'est les résidus de votre dernière soirée, olé olé. Exactement, hôte, exactement. Oui, allô ? Oui, bonjour, ça va ? Jusqu'où on peut aller ? Ça va et vous ? Oui, vous pouvez venir dans mon bureau s'il vous plaît ? Ouais, ça marche. Je finis sur un contrôle et... Non, je suis avec un cadet. D'accord. Moi, je suis finis votre truc et venez dans mon bureau. Un petit relevé d'empreinte. Eh bien, j'arrive. Merci. A tout de suite. Petit relevé là, voilà. Hop, parfait, c'est bon. Bien évidemment, cette entrevue est confidentielle là. Ah oui, bah de toute manière ce sera confidentiel jusqu'à ce que les trois lieutenants y viennent et puis une butte, hein, puis voilà. Et non, ne vous alors que plus pas, personne ne parle au commissariat, je suis devenu un paria, je suis mis au placard, je reste officier toute ma vie et puis basta quoi. Allez, ne vous inquiétez pas, si vous avez des informations hautes, nous sommes preneurs bien sûr, d'accord? Voilà. Il est dans le coup le commissaire aussi? Vous pouvez y aller là, barrez-vous de ce bureau là. Donc cassez-vous là. Oui, au revoir. Je suis mort moi. Bonjour commissaire. Bonjour. Bonjour commissaire. Ouais, j'ai entendu des voix, je me dis ça vient d'où cette connerie? Commissaire. Comment ça? J'ai entendu des voix, je me dis ça vient d'où cette connerie, du coup je suis monté. La Santa Maria? La Santa Lotier plutôt, ouais. La Santa Maria qui me guide là. Ouais, avec l'idée de la mur, ça va faire de drôle. Comment ça? Vous guidez à Santa Maria? Je comprends rien, commissaire. J'en prends rien ce que vous dites. Vous savez où elle va vous mener, Santa Maria? Oui. Dans les métros, dépêchez-vous. Commissaire, c'est quoi le prochain rendez-vous chez l'orthophoniste là? Bah écoute, ça fait 25 ans, écoute. J'y suis abandonné. T'as dit quoi, capitaine? Le rendez-vous chez l'orthophoniste, c'est plus tard, va. Bon, commissaire, on a une affaire très grave. Oui. Mais qu'est-ce que tu fous en deux cérémonies déjà? Mais Mathias m'a dit. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont changé la photo. Ah oui, vous avez vu, vous aussi, oui. Moi aussi j'ai fait tomber les pommes, mais je suis resté droit. Parce que j'étais en train de présenter les photos à Mathias. Oui, oui. et commissaire, écoutez-moi bien là, quand même. Il y a un petit enculé là. Oui. Qui a pris ma M4 et mon fusil à pompe. Et vous l'avez pas, vous êtes loupé? Non. Bah comment ça? Il a manqué une ou pas du coup? Il faut faire regarder aussi, à vérifier. Mais est-ce qu'il en manque une? C'est ça la question. Il y en a combien au total? Mais est-ce que les comptes sont bons? Et il y en a combien au total? Eh ben c'est au sergent chef de savoir. Ah oui, bien sûr. Oui, vous êtes responsable d'un. Attendez, attendez. Et bonjour. Foster. Allez. Foster. Ah oui. Je croyais que vous me disiez d'attendre. Oui, oui, bah allez attendre, oui. Ah, c'est bon quoi. A tout à l'heure. Bon. On a des suspects, commissaire. Oui. Oui. Déjà, dans un premier temps, on a Haute et Foster. Haute vient de nous balancer trois lieutenants. Rien que ça. Rien que ça, commissaire. Pour Pour des sorties de... Des sorties d'armes. Se faire de la thune, hein, sur des armes. Smith, Gardner et Mason. Oui. Non, c'était une vanne pour sa promotion. Mais comment on sait le... Oui. Vous êtes con ou quoi? Bah Haute lui sait pas, hein. Non, mais bah les lieutenants, s'ils veulent sortir des trucs, ils vont à l'armurerie, ils payent de leur poche, et ils vont sortir, pas bon pour quelqu'un, d'accord? D'accord. Ah, soyez pas têteux. Eh ça c'est pas bête. Bon, faut quand même arrêter ces histoires de blagues pour les promotions là. Oui, parce que là ça tourne aux armes. Non, mais on se croirait qu'on a 12 ans là. Ah, l'anniversaire surprise de Mathieu au McDonald's.
Au tubituba. Comment? Au tubituba. Et que. Rien compris. Rien compris. Ah, c'est un endroit où il y avait plein de tubes. À la piscine à boules. Ouais. Il y a plein de boules. Tubes, bon, bref. Il y a plein de boules, ouais. Bon, bref, pourquoi on a convoqué haute commissaire, vous allez nous demander. Pourquoi? Commissaire? Commissaire? Non, je demande pas, moi. Ah, d'accord. Allez. Bon, bah, on va faire rentrer une deuxième personne. Ouais. On va lui mettre un coup de pression comme on a mis au premier. Non, mais si. Non, mais Foster et haute, non, mais vraiment, les gars. Ben c'est les deux qui sont là, qui étaient suspects. Ouais, les autres vont y passer aussi. Les autres vont y passer aussi, mais ils sont c'est pas en service. Il y a Tremblay, il y a Carver. Et l'autre. C'est tout. Mais dis l'autre aussi. Hein? Mais l'autre c'était haute. Oui, haute. Ah. De toute façon, c'est simple. Ça s'est passé entre l'exercice du 30 où j'étais promu et hier où Beaufort a vu. Putain, mais... Avant l'OP. Commissaire, vous qui faites la pluie et le beau temps dans cette ville là, vous voulez pas arrêter la pluie? Tu m'as pris pour un jaune ou quoi? Eh non mais je sais pas mais... Putain. Mais de toute façon peu importe qu'il y ait le compte ou pas, Venez foot. Et Adam sont 19 et 19. Pour voir avec ceux qui sont... Essayez-vous, ce serait. Vas-y, faut que ça soit bon. Bah, Foster, on va pas y aller par quatre chemins. Ouais. Vous écoute. Et croyez pas que c'est une blague d'enfant de 12 ans pour une promotion, hein. Je vous dis direct. Hein. Oui. Foster. Oui, oui. Essayez de parler. Vas-y, capitaine. Répondez quand même à Mathias, tiens. Comment ça? Oui, je vais bien. D'accord. Vous avez une autre question, Mathias? Non, c'est bon. T'es sûr? Oh, commissaire, fermez-la. Mathias, commissaire, vous avez qu'à venir à la place, tiens. Alors, comment vous débrouillez, vous? Ouais, non, démerde-toi. Non, c'est pas mon commissaire. Bon. Tiens, je vais faire un tour de bureau. Vous avez volé une M4 ou pas? Je suis bloqué dans le tapis, là. Oui. Oui. Vous êtes sûr de vous là, Foster? Bien sûr, je suis sûr de moi. Est-ce que vous avez entendu parler de choses comme... Oui. Est-ce que vous avez entendu parler de choses comme ça là? Comme ça? De quoi? De vol? Du poste. Ouais. Non, pas du tout. Ah ouais? Non, parce non. Que là, écoutez-moi bien, Foster. Écoutez-le bien. C'est une chance qui vous est laissée là. Une chance. Croyez-moi là, il y a ma M4 et mon fusil à pompe qui ont disparu de l'armurerie. Ta M4 et son fusil à pompe, Foster. J'ai arrêté un truc. Oui. La dernière fois qu'ils ont été sortis, c'est l'exercice de qu'on a fait à la boucherie là. Enfin, truc, là. Et je crois bien que vous y étiez, Foster. Tout à fait. Du coup. Je sais pas. Est-ce que vous vous souvenez des consignes qui ont été données ce jour-là? Oui, quelles étaient les consignes? Au niveau de sortie du matériel là. Sortir le matos de SWAT, un autre matos de SWAT. Rien entendu d'autre. Rien d'autre, Foster? Je crois pas. Non, je crois pas. Vous avez pas entendu... Je sais pas, vous avez pas entendu un moment où j'ai dit sortez aussi les fusils à pompe? Non. D'accord. Est-ce que... Ah oui. J'ai oublié de les mettre et j'ai normalement dit, bon bref. D'accord. Est-ce que vous avez des gens qui vous ont déjà approché pour ce genre de choses? Non. Jamais? Non, non. D'accord. Et entendu des rumeurs au sein du poste? Non plus.
Vous savez que vous pouvez tout nous dire, Foster. Ah oui, bah, je vous dis tout, j'ai rien entendu. Attendez un instant, commissaire, asseyez-vous par terre, faites un truc, mais arrêtez. Bah, je fais le premier truc que je trouve, d'accord. Sachez que moi, ma MK4 et mon fusil à pompe, enfin mes armes, etc., je les considère comme mes propres enfants. Mais oui, je comprends bien. En tant que sergent-chef, d'accord. Bien sûr. Est-ce que vous savez qui est sergent-chef, Mathien? Bien sûr, j'étais là à sa promotion. Oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, bien sûr, ouais. Juste après notre anniversaire, d'ailleurs. Effectivement. Je sens un petit rictus. Ah non, pas du tout. Non? Ah d'accord. Putain, on vous aura laissé une chance. J'espère que vous n'avez rien à voir là-dessus. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les gens qui sortent du matériel... C'est de la trahison, quoi. Oui. Et c'est okay. Surtout qu'ils sortent du matériel aussi. Ah oui. Ah oui. Mais du coup, oui. J'ai pas sorti de matériel. Vous êtes sûr, Foster? Certain. Ça marche. Et là, c'était l'avant-dernière fois que j'ai posé la question. Et je vais la reposer une dernière fois. Foster. Est-ce que vous avez déjà sorti du matériel du SPD? Non. Bon, moi, c'est bon pour moi. Commissaire, d'autres questions? Mais quoi? Non, ouais, vous allez bien, commissaire? Ah. Monsieur, vous avez fait des demandes de vacances, là, dernièrement? Non. D'accord. De toute façon, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est le commissaire. C'est pas vrai, j'en ai rien à foutre, c'est mieux pas. Bah, vous pouvez repartir en patrouille, Foster. Merci à vous d'avoir été, on l'espère, très franche, hein. Ouais. Très honnête. Bien entendu. Ah, Foster. Commissaire, je peux juste vous dire deux mots? Je sais pas si vous avez entendu parler, mais j'étais convoqué à la mairie hier pour une enquête, si je peux juste vous dire deux mots. Oh putain. Non, mais je vous disais que j'avais faim surtout. Vous avez faim? Oui. Il manque deux MP5. Oui, oh bah faut relativiser, hein. Tu m'emmerdes. Non mais bon bah ouais, bon. Je pense qu'il y en a eu plein de virés, donc... Attends. Je cite le commissaire là, il y a 30 secondes. Ah d'accord. Oui. Non mais faut relativiser, je pense, c'est pas... Bon, tais-toi, c'est bon, oui, bon, je reste si rouge. Voilà. Que j'ai mes trucs, donc... Eh oui, mais je vous le dis, commissaire, si je vous le dis. Si les agents vraiment... Là, faut s'alarmer, oui. Bah oui, bah au bout d'un moment, faut s'alarmer, oui. Ça fait beaucoup d'armes sorties, là, quand même. Si je vous le dis, si on vous le dit, commissaire, si on remonte les trucs. Bah oui, mais bon, c'est en chef. On est en cours sur une moto américaine, on est ouest Spanish Avenue. 31, 33, regardez 34. Si j'ai mes armes. Regardez si j'ai mes armes, Mathia. Juste pour les feux. Vos armes? Oui, mes armes. West, Eclipse, allez, je regarde. Je suis allez, Optimus Prime. J'ai mon fusil à pompe. Sud, Milton, oui, non, mais vous, je crois que c'est bon. S'il vous plaît. J'ai recompté les M4, il en manque une. J'ai mes M4. Le fusil à pompe, il en manque deux là, mais il y a 15 qui en a un et il manque le mien. J'ai mes MP5. Nord, San Vitus Boulevard. Bon, Fab, j'avais hier. Et il y a toujours 3 armes en plus? Pas spécialement, non. J'ai ma M4. S'ils ont pris ma MP5 qui était à Beaker, je pète un plomb. Ah ben, ça y est. Bon, je l'ai. Quand on prend vos armes, si on prend vos armes, ça va pas du tout. Par contre, c'est les autres. Bon, alors, il m'emmerde, lui. Aïe, putain, mais arrêtez, merde. Ça suffit de râler, d'accord? Vous avez flagué mes lunettes, là. Ça suffit de râler. L'année de fidélité approche. Bah oui, mais vous êtes déjà promu, donc normalement les autres, il y en a qui sont censés tenir à jour, on va dire, de leur côté. Mais je sais pas s'ils le font, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas comment ils font. Ça se déconcentre pas trop si j'enfile cette tête de cheval. Est-ce qu'ils ont déjà attribué des MP5 au nouveau? Je ne sais pas. Ah, est-ce qu'ils ont pas pris celle des anciens matricules? Attends, vas-y, ouvre, attends. Ouais, allez-y. Parce que hier j'ai viré 93.
Ouais, 80, non, c'est bon. C'est 93 qui a été réattribué. Direction ouest. Je vais dire la pompe 93 parce que j'ai viré 93. M4, 93 aussi, il manque. Oui, mais peut-être, mais toujours est-il qu'il manque le MP5 là. Ouais, mais et qu'il manque les trucs de 24. 24, il a pas été viré. Est-ce qu'il se serait trompé avec quelqu'un d'autre peut-être ? Ça rentre dans les villas. 93, 97 aussi. Je vois l'histoire, je vais avoir du 97, y'a pas non plus. Mais votre raisonnement est à l'envers, le commissaire du compte va avoir plus de M4, plus de MP5 et tout et tout. Et oui. Oui. Du coup, elles ont déjà été réattribuées, peut-être au nouveau, donc du coup ça retombe à zéro, moins celle de Mattia. Ouais, il y en manque une. Et moins de MP5 aussi, du coup. Et moins de MP5. Moins de... C'est les MP5 de Guy qui manquent. Je suis en train de regarder là, justement. Non, mais faut relativiser, je pense. Qu'on a un listing dans l'ordre des agents, là, des matricules, parce que putain. Effectif. Dites-moi, Mathieu, dites-moi. S'ils existent ou pas. Ah, 01 est là. 02 est là. 03, c'est bon. Tout va bien à terre ? J'ai quand même bien joué avec l'intranet là. Non, merde. Je me trompe. Oui. Oui, je vous dérange pas, capitaine ? Non, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais savoir, du coup, je prends mon service ou je suis viré ? Eh oui, vous pouvez prendre votre service, hein. Vous êtes pas viré encore, je vous ai rien dit. Hein. Ah oui, encore, ah oui, donc ça risque d'arriver en fait. Je sais pas, faut que je fasse mon enquête, moi. Vous comptez la finir quand ? Bah là, je pense. Elle est finie notre enquête ou pas, Mathieu là ? C'est Haute qui me demande de savoir s'il va être viré ou pas. Oh bah là, il est dans la merde. Hein. Et il me dit que vous êtes dans la merde. J'ai rien fait, mais j'ai rien fait, capitaine, je vous jure que j'ai rien fait. Hein. Oui, mais faut déjà. L'enquête est en cours là. L'enquête j'ai est en cours. J'ai pas un rond de toute manière, regardez mon compte en banque. Si vous voulez, je vous donne accès à mon compte. Bon, on passe en 10 d'ici 2 minutes. Mathieu a fait un peu de zèle, vous inquiétez pas. Je pense que vous êtes mis hors de cause. Ah oui. Ah oui. Je pense. Après, je sais pas, on va continuer à mener l'enquête, hein, mais bon. Oui. Mais bon, ouais. Voilà quoi. Hein. Moi, je vais enquêter aussi de mon côté. Ah bah, c'est bien. Si vous savez s'il y a des taupes, vous nous le dites. Hein. Ah oui, bah, c'est insupportable les taupes. D'après l'enquête, apparemment, les lieutenants vous auraient fait une mauvaise blague. Ah oui, donc c'était bien ça, donc oui, c'est une blague. Ok. Oui. Il risque rien là. C'est oui. Bon. Donc, voilà. Ok. Vous avez pris votre service là ? Oui. D'accord. Mais pourquoi ? Bah, si, mais pourquoi vous avez pris votre fin de service tout à l'heure ? Pour aller grailler un petit coup, capitaine. Ah d'accord, vous mangez à 18h, vous ? Bah ça dépend quand on peut pas en parler ici, là. Hein ? On peut pas en parler ici, si vous voulez, on en parlera un autre moment, autre part. Ah d'accord, oui, d'accord, oui. Pourquoi ? Ah bon ? Oui. Ah d'accord, ok, ça marche. Ah, code rouge. Ah, code rouge, oui. Tiens, bah on y va. Et moi, je peux vous dire que le pilote... Visité en dehors de vous, 56. Autorisation de pilote de phase à la convenance. Vous demandez encore l'autorisation. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que tout le monde peut pit les véhicules et tout et n'importe quoi sauf 56, non ? Sauf lui, je crois. J'ai lui envoyé un SMS à 56. J'ai rien compris à son code là. Il y a un peu d'entrain dans sa en radio quand même parce que. C'est une code 23, repoussez pas tout. Je vais appeler. Attendez, bah, commissaire, ça serait bien. Ah, c'est con pour dire oui. J'ai dit. Le commissaire. J'ai dit à Haute, un peu d'entrain en radio s'il vous plaît. Il m'a dit, mais vous avez vu ça comment ? J'aurais rien dû vous dire. Attendez, je vais demander un truc à Haute là.